Leoni Wiring System Tunisia, c'est une société allemande à la base, donc c'est une multinationale aujourd'hui. Donc elle est basée à Tunis depuis 77 et nous sommes aujourd'hui l'employeur numéro 1 en Tunisie avec 13 000 salariés. Notre spécialité, c'est la fabrication du câblage automobile et nous sommes présents à Sousse et sur Mateur. Donc à Sousse, c'est à peu près 9 000 salariés et sur Mateur, c'est 4 000 salariés. Voilà. Et nous sommes là, donc nous représentons donc aujourd'hui la société et nous sommes là donc pour chercher des talents. Nous sommes une société totalement exportatrice et nous ne vendons rien sur la Tunisie, donc notre intérêt c'est surtout les ressources humaines. C'est la visibilité, c'est la notoriété au niveau de la Tunisie. Donc aujourd'hui nous avons bâti notre slogan « The Employer of Choice », donc c'est l'employeur de choix. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons ciblé ce salon, qui est un salon, qui est un événement de taille, qui est un événement très sélect, qui n'est pas comme les autres salons. Donc c'est un salon qui table sur la qualité, plutôt sur les talents, pas sur la masse. Donc aujourd'hui, vu notre activité, vu le développement de notre activité en Tunisie, nous sommes en train de chercher donc, des talents. C'est aujourd'hui, c'est la stratégie, c'est la politique de l'ONI, c'est de tabler sur les talents, sur la qualité et sur donc, le savoir-faire, donc le know-how des Tunisiens, que ce soit dans le domaine du câblage, que ce soit dans le domaine d'ingénierie, de la mécanique, de l'électricité, donc tout ça, on est demandeur. Aujourd'hui, je suis fier de le dire, aujourd'hui, l'ONI Wiring System Tunisia, elle tourne avec des cadres 100% tunisiens. Donc, c'est vrai qu'il y a des dirigeants qui ont fait leurs études en Allemagne, mais il y a pas mal de personnes qui sont de l'IHEC, de l'école polytechnique, donc de l'ISG. Donc, c'est une mixture. Donc, nous sommes interculturels en termes de culture, de culture d'entreprise, mais le cadre managérial, il est totalement tunisien, à partir du directeur général jusqu'à l'ingénieur, jusqu'à l'employé. Donc, tout ça, on est plutôt satisfait.